Bonjour à toutes et à tous. Les conditions de jeu, vous le voyez, sont parfaites. Les tribunes, évidemment, sont bien garnies. Bref, tout est en place pour un magnifique spectacle. Au commentaire de ce rendez-vous, Benjamin Da Silva et le vrai génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar Da Fonseca. On a hâte que ça commence parce que ça va être un vrai plaisir de suivre cette rencontre. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale, c'est un match magnifique qui s'annonce. Et oui, on a beau parfois en avoir marre, être fatigué, lassé, agacé, on revient toujours au football. Il y a toujours un nouveau scénario à découvrir. On va regarder la composition de cette formation. Un 4-3-3 au programme avec ce feu neuf, c'est une vraie bonne idée. Ça permet au neuf de redescendre et participer à la construction au milieu. Alors, voilà la composition officielle de cette équipe. La tactique du 4-5 ans, c'est simple. Tu mets du monde dans la salle d'attente, tu remplis et tu récupères le ballon. C'est le premier ballon dans ce match. Voilà une bonne défense. Ah, c'est un ballon mal dosé et ça va être pour le gardien. Ah, et ce ballon est repris suite à ce duel. Un face-à-face à négocier. Ah, le plus dur semblait fait dans ce duel. Pas évident, le côté émotionnel pour marquer, c'est toujours délicat. Oui, ce ballon est intercepté. Ah, pas bien joué, mal défendu, faute. L'arbitre donne le coup franc. L'arbitre désigne l'endroit de la faute, mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Belle parade et surtout très bonne lecture de la trajectoire. L'équipe progresse, elle va maintenant essayer de mettre le danger. Et non, c'est sans danger pour la défense. Le ballon est intercepté.
Ouais, bien fait, quelle ouverture! Ah, le stade réclame une frappe. Ah, c'était bien parti, mais la défense est vigilante. Et le pressing sur le porteur. Un ballon rendu à l'adversaire. La projection dans le camp de l'adversaire. Le tir, oh là là, le raté, mais c'est incroyable, il va falloir patienter encore un peu avant l'ouverture du score. Le but était grand ouvert, hein. Il avait quoi son vouloir. J'en profite pour vous parler un peu des différentes passes. Il y a la passe de progression, la passe de contention, la passe de rupture. Et dans ce match, il n'y a que des passes de protection. C'est beaucoup trop stérile. Ah, regardez, peut-être quelque chose là-dessus. Ah oui, excellent ballon. Ah, il y a encore danger. Et le ballon passe vraiment très loin à côté. On se demande même quelle était l'idée. En tout cas, certainement pas démarqué, hein, vu la trajectoire de cette frappe. C'est intercepté, ça, bien joué. Bien parti dans le dos. Allez, cette intervention permet de stopper l'attaque. C'est récupéré. Et ce corner, c'est l'occasion peut-être de prendre l'avantage. Cornea. Oh oui, l'arrêt magnifique. Cette tête qui semblait aller tout droit au fond du filet, mais le gardien a dit non. Très bien placé. C'est bien parti pour ce corner. De nouveau, un corner à jouer. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Beaucoup de monde à la retombée et cette tête largement inoffensive. Ouais, dans la profondeur. Ouais, c'est reçu, il y a des solutions. Et c'est le but. Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête.
qu'elle était dangereuse, cette passe. Vous voyez, la passe vers l'avant, c'est elle qui vient casser les lignes. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Et voilà, l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Très bonne intervention. Et le face-à-face à venir. Le danger est toujours présent. Ah oui, c'est l'exploit! Voilà le deuxième but à son compteur. Rien de tel pour la confiance, rien de tel pour le moral. Et c'est peut-être pas fini. On la revoit, cette frappe au premier poteau. C'est très bien joué dans le trou de souris. Même si on se demande si la défense ne pouvait pas faire un peu mieux. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Et c'est au fond! Voilà le comeback dans cette rencontre. Plus qu'un but maintenant pour égaliser. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et derrière, le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. On travaille sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Corner et ça fait donc une nouvelle opportunité d'aggraver un peu plus le score. Le corner. C'est dégagé, aucun problème. Et pourquoi pas une occasion à venir là. Ah non, finalement le ballon est perdu. Allez, la jolie passe dans la profondeur. Et la prise de balle dans la profondeur. Et le ballon vient buter sur le gardien. Très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis. Un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Un corner qui est bien ajusté et ce corner est renvoyé par la défense et il prend le dessus sur l'adversaire et un arrêt qui fait du bien. Corner.
bonne intervention pour stopper l'attaque. Avec Grégory. Ah, il y a un peu d'espace sur le côté. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. Ah, il faut bien négocier ce ballon. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Aïe, la petite faute technique et le ballon sort. Ah ouais, c'est un changement donc. Ah, une lutte à la récupération, le duel est remporté dans le camp adverse. Oh, la bonne frappe! Et très bonne intervention du gardien. Ah, le porteur de ballon a besoin de solutions. Oh, l'égalisation peut-être. Oh, et la parade. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. C'est bien parti pour ce corner. Oh, ça va au fond! Ils n'ont rien lâché! Ils n'ont rien abandonné! Ce sont des miraculés! On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. Score de parité, 2-2 au tableau d'affichage. C'est un temps fort de la rencontre, il faut aller chercher le but de la victoire. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Et l'attaque se poursuit, c'est une bonne séquence de jeu. Attention pour mener au score peut-être. En bonne position pour tirer au but. Bien anticipé, le ballon est intercepté. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et la défense peine à redescendre sur ce contre. Ouh, comme c'était dangereux ça. Le contre est très bien amené. Mais la conclusion, c'est un gros manque de lucidité. Et voilà un ballon littéralement rendu à l'adversaire. Le but du chaos est très proche. On joue maintenant les dernières minutes. Et ici l'occasion pour mener. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Incroyable! Bombasso! Ils étaient menés! Et maintenant, ils sont devant! Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds de l'adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de passivité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose.
3-2 donc au tableau d'affichage. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Ouais, c'est un ballon qui est bien donné. Ouais, apparemment, il y a une position de hors-jeu. Ça sort en touche. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. C'est terminé, donc le coup de sifflet final dans cette rencontre et une bonne victoire de l'équipe locale. Et oui, c'est ce but dans la dernière minute qui a fait la différence. Quelle explosion de joie!